Ce lundi 19 décembre, Indira Ampio, Miss France 2023, a publié un long message de remerciement sur son compte Instagram, le premier depuis son sacre ce week-end à Châteauroux. Miss France 2023 est, et restera, Miss Guadeloupe. Ce samedi 17 décembre, Indira Ampio a été sacrée notre nouvelle reine de beauté par le président de cette 93e édition, Francis Huster. La jeune femme de 18 ans faisait déjà partie des grandes favorites de la compétition selon nos lecteurs, mais aussi de la rédaction de Télé Loisirs aux côtés de sa première dauphine Agathe Coë, Miss Nord-Pas-de-Calais. Et c'est à la fin d'un incroyable spectacle sur le thème Les Miss font leur cinéma que la pétillante Indira Ampio a remporté la précieuse écharpe et la somptueuse couronne, succédant ainsi à Diane Ler. Depuis la cérémonie, Miss France 2023 est invitée à de nombreuses émissions et enchaîne les interviews. Si elle n'avait pas eu le temps jusqu'à aujourd'hui de s'adresser directement aux Français, c'est maintenant chose faite. Merci à l'ensemble des Outre-mer et à la France tout entière ce lundi 19 décembre, Indira Ampio a publié un post sur son compte Instagram pour remercier le jury de cette édition et s'adresser directement à sa nouvelle audience. En effet, il y a seulement quelques jours, Miss France 2023 n'avait pas moins de 35 000 abonnés sur le réseau social, mais elle en comptabilise actuellement pratiquement 400 000, une augmentation incroyable. Il n'y a qu'un mot qui me vient à l'esprit en repensant à cette soirée, merci, a-t-elle commencé son message. Je tiens à remercier les membres du jury ainsi que tous les Français qui ont cru en moi et qui aujourd'hui me permettent de vivre ce rêve éveillé. Merci à l'ensemble des Outre-mer et à la France tout entière qui m'ont soutenu tout au long de cette merveilleuse aventure. J'ai parlé avec mon cœur et ma bonne étoile m'a accompagné durant cette soirée. Croyez en vos rêves. Miss France 2023 a également tenu à partager un message d'espoir à ses abonnés. J'ai une pensée pour la petite Indira de 5 ans qui autrefois regardait l'élection de Miss France les étoiles plein les yeux et qui rêvait secrètement d'y participer, a-t-elle partagé. Croyez en vos rêves, n'ayez pas peur de suivre vos objectifs, cherchez à aller plus loin et surtout surpassez-vous. La vie est trop courte pour hésiter, douter ou reculer face à ses rêves. Alors profitez à fond de chaque opportunité et ne baissez jamais les bras. Et la jeune femme connaît très bien son sujet, puisqu'elle était déterminée à remporter le concours de beauté et s'est préparée de son mieux pour décrocher le prix ultime. D'ailleurs, Indira Ampio ne compte pas s'arrêter là, et souhaiterait remporter, après Iris Mittenaere en 2016, la couronne de Miss Univers. La jeune femme a ensuite conclu son message en indiquant son impatience de partir à la rencontre des Français, « Je suis si impatiente de découvrir la suite des événements, de partir à votre rencontre, de découvrir vos régions et vos traditions et je l'espère à très vite. » Bis Indira. À lire aussi qui est Miss France 2023, Indira Ampio, Miss Guadeloupe 2022.